Yorana, je suis Wangiani, j'ai 20 ans, je suis polynésienne et surtout je suis footballeuse de haut niveau. Je suis actuellement en Allemagne, je joue au FC Saarbrücken en D2 allemande. Je vous présente ma mère et mon papa. Bonjour, je suis le papa de Gianni, Michael Wang, coach de Gianni quand il était petite et coach de U23 Stéphane. Le football féminin à notre temps, c'était pas vraiment connu. Hein. À Tahiti, il y avait un petit championnat, mais c'était plutôt le football masculin. Mais pour moi, je ne m'attendais pas à que ce soit une de mes filles qui joue au football, plutôt mes garçons. À l'époque, en fait, le football féminin, ça ne faisait pas partie du décor footballistique. Parce que les femmes n'ont pas ce statut de footballeuse. Le football chez les Wang, c'est en famille. On a créé la première équipe de football, donc c'est ma sœur et mon beau-frère qui l'ont créée. Kiani Wang, hein, c'est une fille qui a commencé très jeune à la Stéphana, depuis l'école de foot jusqu'à en U15, et après elle a fait des essais en métropole. Mais le club est vraiment très fier d'avoir des représentants de Stéphana et de FAA en métropole, quoi, dans le football de haut niveau. Je l'ai accompagnée la première année où elle est allée sur la métropole, donc où elle a intégré le pôle espoir de Strasbourg et elle a joué dans le club de Mondenay. C'est grâce à Stéphanie Schmumann que j'ai réussi à partir en France. Écoute, des souvenirs, on en a plein, que ce soit ici à Tahiti, que ce soit ici à FAA ou même en métropole. Mais un des souvenirs les plus forts, c'est quand tout a démarré ici sur ce terrain, on s'est rencontrés. Et puis j'ai vu que Kiani avait vraiment des capacités pour pouvoir aller jouer en métropole. Et on a démarré avec la famille, avec le club, c'est vraiment un travail de groupe. On a démarré à travailler tous ensemble et on a fait de belles choses sur ce terrain. Elle a travaillé très dur pour y arriver et puis quelques mois après, on s'est envolé pour la métropole et là tout s'est enchaîné. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'avais 15 ans, je suis partie loin de ma famille. J'ai su m'adapter au fur et à mesure, j'ai su connaître des amis qui ont su m'aider, qui ont toujours été là pour moi. Et maintenant je suis vraiment contente de ce que je suis devenue parce que j'ai pu grandir, mûrir. Ma passion, c'est le football. Je fais que du football, j'aime que le football. J'ai des petits hobbies, j'aime bien sortir avec mes amis, ma famille. Quand j'étais à l'école, en sport, on faisait de la rame. La rame, c'est vraiment dur. Quand j'étais petite, j'allais faire du bouga avec mon père et mon grand frère. Mais j'ai jamais accroché. Les sports d'eau, j'ai pas accroché. Il n'y avait que le football. À toutes les petites filles qui veulent participer à la Coupe du Monde féminine, je leur souhaite vraiment parce qu'en tant que footballeur ou footballeuse, c'est le plus gros challenge que tu puisses faire. Et pour y arriver, comme je dis toujours, il faut toujours continuer à travailler, il ne faut pas lâcher, il faut toujours aller au bout de vos rêves et je suis sûre que vous allez tous y arriver.